Bonjour, bonsoir. Dépendamment de qui l'on pourra suivre vidéo ça. Je dis à nous portons une très belle vidéo pour vous. Et vidéo nous pour vous aujourd'hui c'est top 10 monde qui plus riche dans le monde là. Eh bien, vous t'a ramené compte qui top 10 monde qui plus riche dans le monde là. Eh bien, restez branché avec Paolo Young Max ou pour compte qui 10 monde qui plus riche dans le monde là. En 10e position, nous avons Mukesh Ambani. Compagnie M. Sarele, Reliance Industrie. Il a une fortune qui est évaluée à 84,5 milliards de dollars. Histoire monsieur ça. Il fait dans l'année Yemen, Mukesh Ambani à la tête Reliance Industrie. Il un groupe qui possédait un pile compagnie textile, santé distribution et masse pétrochimique. Groupe héritier dans mes papal, Jiubai Ambani, qui était fondé dans l'année 1960. Li se yon parti nan club billionaire ak yon fortune ki estime a 84,5 milliards de dollars. Conseil monsieur Mukesh Ambani. Li important pour réaliser objectif ou, mais c'est pas n'importe qui prix. En 9e position, nous gen Sergey Brin. Compagnie monsieur ça c'est Google. Fortune ni estime avec 89 milliards de dollars. Histoire monsieur Sergey Brin. Li fait nan pays la Russie. En 1973, Sergey Brin a immigré aux États-Unis dans l'année 1978 avec famille. Après une licence en sciences et mathématiques dans l'Université of Maryland dans l'année 1993, il a eu une bourse pour étudier sciences informatiques dans Stanford. Côté il a rencontré Larry Page, ensemble ils ont créé Google. Conseil monsieur ça, résoudre gros problèmes plus facile parce que résoudre problèmes petits. En 8e position, nous avons Larry Page. Compagnie monsieur ça c'est Google. Fortune estimée avec 91,5 milliards de dollars. Histoire monsieur ça, Lawrence Edward Page, dit Larry Page, qui fait dans l'année 1973 dans Michigan, cofondateur Google, géant moteur recherche en 1998 avec Sergey Brin. Moun li té rencontré dans l'université Stanford. Yo concentré son importance résultat yo d'après demande utilisateur pour créer algorithme Google. Conseil monsieur ça. Si vous décidez de changer le monde là, vous travaillez sur bagage qui est plus important. En 7e position, nous avons Larry Ellison. Compagnie monsieur ça c'est fortune estimée avec 93 milliards de dollars. Histoire monsieur ça. Lawrence Joseph Ellison c'est non réel. Fait dans New York dans l'année 1944. En 1966, il a quitté Côte de l'Est pour Côte de l'Ouest dans le pays États-Unis. Il a fait plus de travail à Impex jusqu'à ce qu'il ait été embauché comme un programmeur dans Impex. Bien qu'il n'ait pas de diplôme, il a été appris Côte de l'Ouest pour Côte de l'Ouest. Il a démissionné dans l'année 1977 ensemble avec Robert Milner et Edouard Waters. Ensemble, ils ont créé une base de données Raw Performance avec une compagnie qui est Software. Plus tard, ils ont changé de nom de compagnie, ils ont nom ça. Depuis là, la compagnie a diversifié l'activité LIO, toujours dans le domaine de technologie et information avec de nouvelles technologies. Conseil, monsieur, ça. Là où vous innovez, vous devez attendre les gens qui sont au fou. En 6e position, nous avons Warren Buffett. Compagnie monsieur ça c'est fortune estimée avec 96 milliards de dollars. Histoire monsieur ça. Il fait dans l'année 1930 dans Omaha. À l'âge de 11 ans, il était acheté première action. Il était refusé dans l'université Harvard. Il était étudié dans Columbia côté il était enseigné par analyste financier Benjamin Graham. C'est avec qu'elle était fait premier en 1954. À 25 ans, Warren Buffett tourne dans Omaha, côté il était fondé premier compagnie investissement. Conseil monsieur ça. Lorsqu'on a un trou, puis mauvais bagaille qu'on a fait, c'est continuer fouiller toi. En 5e position, nous avons Mark Zuckerberg.
Compagnie monsieur ça, c'est Facebook. Fortune estimée avec 97 milliards de dollars. Histoire monsieur ça. Mark Zuckerberg qui fait dans New York, États-Unis, dans l'année 1984, il étudie psychologie et sciences informatiques dans Harvard. En 2006, il a fait Facebook accessible à public là. En 2012, il a acheté Instagram. En 2014, il a acheté WhatsApp. Pour Kounia, monsieur ça possède ni Instagram, ni Facebook, ni WhatsApp. En quatrième position, nous avons Bill Gates. Compagnie monsieur ça c'est Microsoft. Fortune est évaluée avec 124 milliards de dollars. Histoire monsieur ça. Il fait dans l'année 1955 aux États-Unis. Bill Gates a découvert sciences informatiques dans l'école privée dans Lakeside côté il était étudié. À l'âge de 13 ans, il était programmé jeu avec logiciel optimisé avec un Zamil Paul Allen. Après une première année dans l'université Harvard, en 1973, il était abandonné étudié pour développer premier langage ordinateur sous micro-ordinateur consommateur Alter 8800. Toujours avec Paul Allen, qui a vu un logiciel Microsoft, une révolution réelle. Bill Gates très bien vite entré dans le club billionaire depuis mars 2020. Bill Gates a seulement 1% dans l'action Microsoft, qui n'a pas empêché toujours dans tête classement dans le monde qui est plus riche dans le monde. Là. Conseil, monsieur, ça. Célébrer le succès, c'est gros, mais c'est plus important pour apprendre dans l'échec. En troisième position, nous avons Bernard Arnault. Compagnie, monsieur, ça c'est LVMH. Fortune estimée à 150 milliards de dollars. Histoire, monsieur Bernard Arnault. Bernard Arnault fait dans l'année 1949 dans le pays de la France. Diplômé dans l'école polytechnique en 1971, il a commencé à travailler ensemble avec Papal, manager dans une compagnie construction. Moun qui était convaincu dans le changement en direction de développement bien immobilier. Dans l'année 1984, il a acheté une compagnie, Toile Boussac, après un plan social radical. Il a concentré l'activité sur la maison à la mode Christian Dior, une première infiltration dans le monde à la mode qui a continué par acquérir LVMH en 1989. Une fusion entre Louis Vuitton et Moinessi, Bernard Arnault conserve une propriétaire en pile Mac de Luxe, tant que Guerlain, Sephora, Bulgari, Kenzo et Latrier. Dans 2021, fortune estimée à 150 milliards de dollars, double année avant qui c'est 76 milliards de dollars. En deuxième position, nous avons Elon Musk. Compagnie monsieur ça c'est Tesla Motors, SpaceX. Fortune estimée avec 150 milliards de dollars. Histoire monsieur ça. Il fait dans l'année 1971. Il grandit dans le pays l'Afrique du Sud avant il était immigré dans le pays Canada à l'âge de 17 ans. Après ça, il était déplacé pour le pays États-Unis pour aller étudier dans l'université of Pennsylvania. Conseil monsieur ça. Si règle empêche au faire progrès, goumen pour changer. Si règle empêche au faire progrès, goumen pour changer. Monsieur ça retrouvé en deuxième position comme monde qui plus gagne l'argent dans le monde là. En première position, nous gagne Jeff Bezos. Compagnie monsieur ça c'est Amazon. Fortune estimée avec 177 milliards de dollars. Histoire monsieur ça. Jeffrey Preston fait dans l'année 1964 dans New Mexico aux États-Unis. Papa biologique lui abandonné. Nouveau mari maman qui c'est Miguel Bezos adopté Elvin Jeff Bezos. Dans l'année 1986, il gradué en sciences informatiques dans l'université Princeton. Conseil monsieur ça. Si vous voulez inventer, vous devez préparer pour échouer. Et si toutefois vidéo ça arrive sous vous, pas négliger bal, yon like, yon comment et puis partagez. Et si vous pouvez vous abonner avec channel là, moi conseille abonner depuis kounya et activer cloche de notification pour pas perdre aucune vidéo que nous va laguer sur channel ça. Ciao, à la prochaine.